Pas grand chose. Pour être honnête, c'est le coach qui a parlé, on s'est rien dit de spécial. Et le coach, la teneur du discours, plutôt négatif ? Ouais, très. Mais il vous en parlera lui-même, mais voilà, ce sera lui le mieux placé pour en parler. Mais oui, très, très négatif, c'est normal. C'est normal pour toi, parce que tout le monde a le sentiment que ce match, vous auriez pu le prendre, mais il y a beaucoup de cas en face. Vous avez, alors, par rapport au contexte général, on a l'impression que vous confirmez que vous êtes plutôt en progrès, mais voilà, il y a des moments clés que vous n'avez pas su gérer. Ouais, on est des très beaux perdants. Franchement, on est souvent dans les matchs, on fait des belles choses, on met des beaux paniers. Enfin, franchement, c'est... Voilà, c'est... on est bien à avoir joué, on met Nanterre à 25 points derrière la mi-temps, c'est super, mais le problème c'est qu'à la fin le résultat c'est un dé dans la case, donc voilà, oui il y a du talent en face, oui on a fait des erreurs qui les ont mis en confiance et qui leur ont permis d'exprimer leur talent, donc voilà, tu prends 54 points chez toi, à la maison, tu reçois Limoges, tu reviens d'une victoire à Bourg, un peu, voilà, un peu, enfin, qui fait beaucoup de bien, c'est le moment d'avancer. Et boum, tu refais deux pas derrière. Donc voilà, c'est en ce sens-là que c'est frustrant. Donc oui, on est des très beaux perdants, mais ça commence à suffire, quoi. Donc voilà, très honnêtement, pas de satisfaction ce soir. Mais il n'y en aura pas demain, et même en revoyant les images. On ne peut pas se contenter de ça. Oui, on est dans les matchs, mais oui, on est dans la zone rouge aussi. Donc voilà, ça, on s'en fout. Je préférais être un vainqueur très moche qu'un très beau perdant. Très honnêtement. Donc il y a des questions de défense, j'imagine, dans le discours de Philippe. Faut pas être un grand technicien pour voir qu'on n'a pas défendu. Même notre ombre, on n'aurait pas su la défendre en première mi-temps. Je pense que j'ai, dans ce domaine-là, je prends deux fautes rapides et après j'essaie de me protéger un peu. Grosse erreur de ma part, donc voilà, je me fais trouer deux, trois fois. Ça fait des décalages, ça fait des paniers à trois points. Et quand je parlais des choses qui les ont mis en confiance, il y a ça. Il y a les shoots qui veulent trouver et qui trouvent. Et quand t'es joueur, ben voilà, ça te met dans ton match et après t'es bien. Et donc voilà, ça je m'en veux là-dessus. Et je pense que les joueurs extérieurs, en général, on peut s'en vouloir parce qu'on s'est fait trouver tous les uns après les autres. Donc non, encore une fois, c'est là-dessus, la défense, il n'y a pas besoin d'être un grand tacticien. C'est de l'envie, c'est de la hargne. On a prouvé qu'on pouvait le faire encore une fois sur 20 minutes en deuxième, mais... En première, on ne le fait pas, donc on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est inquiétant au classement, encore une fois, parce que comme tu dis, vous perdez à la maison alors que vous avez une situation délicate. Pourtant, on a le sentiment que votre équipe est plutôt mieux que ça. Ce n'est pas du tout ton avis. Tu noircis tout ce soir ou c'est nous qui sommes... Oui, la vie est belle. Ouais, non, mais tu vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire quand tu essaies d'analyser le truc, etc. Oui, tout n'est pas acheté. T'as pas pris 30 chez toi contre Limoges. T'as pas été ridicule. Mais est-ce qu'on se contente de ça? Est-ce que nous, individus, on se contente d'être dans le match? Là, on a tous fait un bon petit match. On a mis des tirs. On est content. La famille nous a vus à la télé. C'est super. Mais on s'en branle. Enfin, c'est désolé, mais franchement, enfin, c'est... C'est pas suffisant, je suis désolé. Oui, on fait des belles choses, c'est bien, mais on est une équipe qui perd les trois quarts de ses matchs. Donc c'est pas suffisant. Donc oui, tout n'est pas acheté. Bien sûr, on va pas tout changer du jour au lendemain. On sait où ça pêche. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on corrige pas. Donc c'est ça qui est frustrant. Et